Je suis avec jeune pilier narbonnais, Anaël Neveu. Anaël, on vous voit depuis quelques matchs faire de plus en plus de présence en équipe première. Ben, votre sentiment sur cette rencontre ? On n'a pas été assez propre. J'ai envie de dire que l'équipe de Yonax a joué parfaitement ce soir. On n'a pas concrétisé nos temps forts dans les moments où on avait le ballon dans leur camp. C'est une énorme déception pour nous, parce qu'on avait vraiment à cœur de le gagner ce match et puis on n'y est pas parvenu. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter pour les Narbonnais, parce que le public Narbonnais vous connaît encore assez mal, donc un petit peu votre parcours et votre jeune carrière. J'ai commencé à Bordeaux, donc je viens de Bordeaux, je jouais depuis 13 ans. Et donc l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai commencé vraiment à m'entraîner avec le groupe professionnel en Pro D2. Après, on est monté et j'ai fini l'année avec Bordeaux Marvel Poux à Bordeaux en top 14 et je suis venu en Narbonne cette année. Comment ça se passe l'intégration? Maintenant, elle est un peu loin l'intégration, mais comment ça s'est passé cette arrivée à Narbonne? C'est toujours difficile d'arriver quand on ne connaît pas la ville, tout ça, mais je me suis assez vite adapté. On a un très très bon groupe, hein. On a un groupe très très uni et l'ambiance elle est super quoi. L'ambiance est super, le club est super, je suis ravi. On vous voit faire de plus en plus, j'allais dire depuis, je vois même de titulaire, de place titulaire maintenant en équipe première. Donc votre but aussi pour peut-être la fin de saison, essayer d'aligner le maximum de feuilles. Oui, bien sûr, la concurrence est rude j'ai à cœur de continuer à jouer tous les week-ends, c'est l'objectif bien sûr pour l'équipe et pour ce club. Écoutez Anaël, on va vous remercier, puis peut-être rendez-vous à Albi dans 15 jours. Merci beaucoup, bonne soirée.